tu exagères, vraiment. Tu veux toujours avoir raison. Ne discute pas. Après le temps des tout premiers commencements, vint un temps où le destin du plus puissant des sultans fut bouleversé par le battement d'ailes du plus petit des papillons. Le sultan Suleyman bin Daoud était un souverain très sage. Il comprenait ce que disaient les animaux, les rochers. Il comprenait tout, de l'évêque en sa chair à la grenouille dans sa mare. Et Balkis, la toute belle reine Balkis, était presque aussi sage que lui. Suleyman était puissant. En tournant son anneau, il pouvait faire apparaître des éfrites, des djinns et même le redoutable ange Azraël. Et cependant, Suleyman n'était pas vaniteux. Il cherchait rarement à épater les gens. Mais un jour, il lui vint une idée étrange. Nourrir d'un seul coup tous les animaux de la terre. Alors, il fit venir des victuailles des quatre coins de son royaume pour leur préparer un somptueux dîner. Quand soudain, un animal monstrueux surgit du fond des mers et avala toute la nourriture en trois bouchées. Est-ce que c'est ça que tu oses appeler un dîner? Là d'où je viens, chacun de mes 29 999 frères mange deux fois ça, rien qu'entre les repas. Oh animal, tu as raison de te moquer. J'offrais ce repas pour montrer à tous que j'étais un roi riche et puissant, pas vraiment pour faire plaisir aux animaux. Maintenant j'ai honte, et c'est bien fait pour moi. Depuis ce jour, Suleyman n'essaya plus jamais d'épater les gens. Cela ne l'empêcha pas d'épouser 999 femmes, sans compter la toute belle Balkis. Mais en ce temps-là, tout le monde épousait beaucoup de femmes. Certaines étaient gentilles, d'autres étaient carrément méchantes, et les méchantes se disputaient avec les gentilles et les rendaient méchantes. Et toutes se disputaient avec Suleyman, et c'était horrible pour lui. Seule, la toute belle Balkis ne se querellait jamais. Elle aimait trop son Suleyman. Ô mon Seigneur et lumière de mes yeux, tournez donc cet anneau à votre doigt et montrez à ces reines d'Égypte, de Mésopotamie, de Perse et de Chine quel grand et terrible roi vous êtes. Ô madame et délice de ma vie, souvenez-vous de l'animal qui sortit de la mer et me fit tant de honte. Si j'appelais à mon aide les djinns ou les éfrites pour transformer ces reines en mules du désert, en lévriers ou en pépins de grenade, j'aurais peur qu'on me prenne encore pour un méchant prétentieux. Tant pis, je préfère continuer à supporter ces femmes querelleuses. Non, 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 moi je veux butiner les iris bleus. Hein? Quelle audace de me parler ainsi! Sais-tu que si je tapais du pied, le palais du sultan et ce jardin disparaîtraient en un éclair? Oh.
Hé, hey, toi, viens me voir, petit bonhomme. Tu sais parfaitement que le bruit de tes pieds ne courberait pas un seul brin d'herbe. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire un pareil mensonge à ton épouse? Oh, roi, tu sais comment sont les femmes. Oui, je le sais, petit frère. Elle s'est disputée avec moi toute la matinée. J'ai dit ça pour la calmer. Puisses-tu avoir raison? Retourne près de ta femme et parle fort pour que je t'entende. J'ai vu le sultan te parler. Il a entendu ta menace. Bien sûr. Et entre nous, très cher, je ne peux pas le blâmer, car son palais lui a coûté une fortune. Et les oranges commencent tout juste à mûrir. Mais voilà, il m'a demandé de ne pas taper du pied et j'ai promis que je n'en ferai rien. Tiens. Balkis eut soudain une idée pour clouer le bec aux 999 rennes. Et c'était pas une mince affaire, croyez-moi. Hé, toi, viens me voir, petite femme. Tu crois vraiment à ce qu'a dit ton mari? Oh, reine, vous savez comment sont les hommes. Je le sais, oh, petite sœur. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Et s'il plaît à mon mari de penser que je le crois capable de faire disparaître ce palais rien qu'en tapant du pied, ça m'est bien égal. Tu as raison, petite sœur. Mais la prochaine fois, prends-le au mot. Demande-lui de taper du pied et vois ce qui arrivera. Il en mourra de honte. Si tu continues à m'énerver, je tape du pied. Tape donc pour voir. Allez, tape, tape. Non ! J'ai promis au sultan. Je ne peux pas me parjurer. Suleyman n'avait jamais autant ri. À quoi bon être sultan si vous ne pouvez pas rire un peu? Il en oublia ses rênes, il en oublia l'animal sorti de la mer, il en oublia même son accès de vanité. Oh, sultan Suleyman, aide-moi! Ma femme sait bien que je ne peux pas faire disparaître ton palais. Elle va se moquer de moi jusqu'à la fin de mes jours. Non, oh cher petit frère, elle ne se moquera plus jamais de toi. Esclave, quand ce monsieur tapera de sa patte avant gauche, vous ferez disparaître mon palais, ainsi que mes jardins. Et quand il tapera une deuxième fois, vous remettrez tout en place bien soigneusement. Maintenant, petit frère, retourne voir ton épouse et tape généreusement du pied quand tu veux. Tu n'es même pas capable de taper. Allez, vas-y, tape! Suleyman ne se doutait pas qu'en aidant un pauvre petit papillon, il était en train de céder lui-même. Ah, tu veux que je tape? Tape, petit bonhomme, n'aie pas peur. Les méchantes reines vont trembler de frayeur. Mmh. Oh, pardon, je regrette ce que j'ai dit. Remets les jardins en place, mon gentil mari chéri. Tape encore du pied, petit frère. Rends-moi mon palais, s'il te plaît. Oh, grand magicien. Oh oui, rends-lui son palais et arrête cette horrible magie. Eh bien, ma chère, tu vois où mènent tes stupides scènes de ménage. Enfin, par bonté pour toi et pour Suleyman, je consens à remettre les choses en place. Oh, je te promets d'être gentil maintenant. Je te promets, je te promets. Il est bien, ce n'est rien, ô reine. Un petit papillon s'est plaint de sa femme parce qu'elle se querellait avec lui. Alors il a plu à notre seigneur de donner à cette dame une leçon de gentillesse et de modestie. Qui, comme chacun sait, sont des qualités très appréciées chez les papillons. Notre palais ne peut pas être déraciné comme un vulgaire poireau pour faire plaisir à un insecte ridicule. Mais si, venez voir, je vous en prie.
Oh, épouse de mon petit frère désert, ne cherche plus querelle à ton mari. Allez, mes amis, bon vent! Si de telles choses peuvent arriver à cause d'un papillon, que nous arrivera-t-il à nous qui avons tant tourmenté notre roi? Oh mon roi, réjouissez-vous de notre petite ruse, car les reines ont reçu une bonne leçon. Quand donc et comment, au joyeux de ma félicité? Pour moi, je n'ai fait que m'amuser avec un papillon. Et Balkis dévoila tendrement son astuce au sultan. Oh ma douce dame, grâce à votre clairvoyance, j'ai fait une magie pour la tranquillité d'un petit papillon. Et j'ai aussi fait cesser mes ennuis. Mais dites-moi, ô cœur de mon cœur, d'où vous vient tant de sagesse? D'abord, monseigneur, parce que je vous aime. Et ensuite, parce que je sais comment sont les femmes. Et les hommes. Alors ils retournèrent au palais et ils vécurent heureux, très, très heureux et très, très longtemps.